les internautes aimeraient savoir qui est réellement Alphonse. Ça, vous voulez demander ma biographie, ma personnalité. Je voudrais aller tout droit au but pour vous dire tout simplement que je suis né le 27 juin 1975. Vous imaginez déjà là, dans un coin de Vaugan, plus précisément à Vaucoutimi. Je suis d'origine Mamissi et je suis élevé par ma grand-mère. Oui, ma grand-mère, Sévon. C'est là où j'ai connu mon début de la scolarisation. C'est ma maman, c'est ma grand-maman qui m'a mis à l'école. Et c'est elle qui a s'occupé de moi. Je ne connaissais pas ma maman parce que j'étais tendre et j'ai toujours cherché à m'accrocher à ma grand-maman. Et c'est elle qui m'a élevé. Vraiment, nous avons eu quand même des éducations. Surtout que ma maman, elle est à Touban. Ils ont une connotation ethnique de d'Anéro. Mais vous savez, les gens d'Anéro, attention, il y a une éducation là-bas. Quand nous rentrons chez nos oncles d'Anéro, ce qui nous dit, le respect, la politesse. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mais je vais vous dire, tout simplement comme ça, j'ai terminé mes cursus à Vaugan, surtout à Boko, dans le même village que Jean Kissi, qui est mon oncle, hein, à Tivikondi. C'est un quartier maire de Boko. Je me suis élevé là-bas et après le collège, je suis rentré chez ma maman à Lomé. J'ai fait le CG Bekota avec M. Tchanilé, qui fut notre proviseur. Après, il a fait en foin, je l'ai accompagné puisque je sais que je dois rentrer en seconde. Je suis venu faire la troisième en 89-90. Je suis rentré au lycée de quoi avec brio. J'étais le deuxième du centre en ce temps-là. Mais j'ai connu un tissu tellement brillant, à tel point que ça étonne beaucoup de gens. Parce que j'aime toujours et j'ai toujours un avenir tellement radieux. Et tout ce que j'entreprends, je n'aime pas avoir de défaite. Vous savez. En 90, précisément, 89-90, que je faisais la carte de troisième, c'est en ce temps que les soubresauts du 5 octobre ont commencé. J'ai analysé, j'ai vu la conférence, mais ce qui m'ont vraiment dulciné, ce qui m'ont vraiment entraîné dans la politique, surtout, c'est Maître Yaoubi Madiago, à son âme. Il n'est plus là, mais son courage continue toujours. On va planer sur nous parce que, à partir de Dole de l'Homme, en 86, il a ratifié beaucoup de choses auprès du RDMA par ses négociations. C'est quelqu'un, il est survenu, il est très mesquin, il est très intelligent. Attention, je ne sais pas à quel genre nous pouvons encore le remplacer aujourd'hui. Il perd son âme, on a encore d'autres personnalités, mais vous savez. Le gain facile a toujours tellement plané sur ce pays, à tel point que la confiance n'existe plus en tant que tel. Vous allez décider à faire des choses pour aller de l'avant, pour avancer le pays, pour avancer le bien. Non, et non le bien individu, hein, comme le terme juridique le dit. Mais il y a trop de traîtres. Mais nous devons toujours tenir. Mais ce n'est pas une politique, mais cette véracité à la rampe du rendez-vous, du donné et du recevoir de la vérité. Et c'est ça que nous devons en tenir. Il faut qu'on s'identifie. Alphonse, aujourd'hui, mais j'incarne beaucoup de mouvements. Je reçois des sollicitations un peu partout. Et vous devez savoir une chose, et c'est que j'ai toujours mis ma petite compétence à la disposition. Et surtout, bien que je me suis installé aussi longtemps que possible, j'ai pas réussi beaucoup de gens, les bacheliers, etc. Toi-même, tu fais partie en tant que journaliste. Tu viens, on travaille ensemble, etc. Il y a beaucoup de gens. Mais cette année, les gens ont beaucoup reçu, mes élèves ont réussi. C'est pour cette raison-là que j'ai créé un club du progrès scolaire, hein, tout juste pour aider les élèves, pour déposer cette petite connaissance à leur disposition. Je crois qu'on travaille toujours, soit au centre communautaire de Bouet, ou soit à la paillotte de Bobard, à côté, tout juste. Ouais, c'est un agape pour l'unir. Hein.
qui viennent se regrouper là-bas, mais nous profitons aussi parce que c'est un menu social. J'ai appelé leur responsable. Il m'a dit, mais attends, c'est ce que nous voulons. Bien sûr que tu es de l'autre bord contre nous, mais ce que tu es en train de faire est tellement social. Mais eux, ils ne pouvaient pas le faire. Et je donne ma vie aux bénévoles comme ça pour que les élèves puissent s'assortir, puissent connaître beaucoup de choses, puissent faire un sursaut d'orgueil de la connaissance et bien exponentielle. Il faut qu'ils soient, qu'ils aient une garniture de la connaissance surtout. Il faut les aider. Et nous avons au sein de notre club, le club du progrès scolaire, beaucoup de professeurs, surtout en français, en philo, en mathématiques, en physique, tout ça, là, les matières clés qui fait échouer souvent les enfants. Nous avons tous ces professeurs à notre disposition. Il suffit de claquer mon numéro 91 52 74 69, je répète encore, c'est le seul numéro que je dispose. Pour le moment, je n'ai pas encore activé l'autre portable. 91, je dis 91, il faut noter. C'est intéressant. Vous pouvez être à Baguida un peu partout, amener vos enfants et nous allons, surtout qu'ils amènent des épreuves. On les aide, des épreuves, on va les traiter. Ce n'est pas qu'il va nous déposer les épreuves. Moi, je n'ai jamais acheté d'aucune annale. Annale, hein? Non, non, non. Tout ça là, nous, nous sommes des annales. Une fois que tu lis beaucoup, tu as tes compétences tellement illimitées, mais tu peux parler devant des milliers des hommes sans trébucher. Et c'est ça mon acquis aujourd'hui, et mettre ça à la disposition, surtout des élèves en classe des années. Eh oui, BPC, probatoire, bac 1 et bac 2. Et on a des preuves parce que nous sommes à mi-cours d'organiser une séance de retrouvailles avec tous ces anciens élèves et les nouveaux pour qu'on puisse connaître, voir en quelle dimension nous représentons aujourd'hui un engagement social au niveau de la nation. Donc vous n'avez pas emboîté le pas vers l'enseignement ou bien d'être engagé dans une école publique ou soit privée. Bon, pourquoi? Non, il y a beaucoup d'écoles qui ont l'intention de me solliciter parce que comme Petit Prince, même Bénédi, etc. Parce que je suis au cœur de l'Ouest et des enfants, généralement que j'aide beaucoup. Mais on me demande mes diplômes, etc. Mais vous savez, la maison de ma maman, j'ai aidé ma maman lorsque j'étais en fonction de travail. On a bien construit à Gore. Hein. Tous ces documents étaient restés là-bas. Mais au lendemain que j'ai fui la maison, je ne sais pas de quel motif que j'ai fui la maison. Et au lendemain, mon petit frère qui m'a suivi, M. Bernard, il a vendu la maison. À vie pris, peut-être en un officier. L'affaire est pendante aujourd'hui au cabinet de maître Apollo, mais je poursuivrai toujours jusqu'au bout pour connaître le montant auquel il a vendu. Donc ils ont tout détruit. Vous voyez cet accoutrement un peu partout, c'est des amis qui m'ont aidé, et avec mes efforts aussi que j'ai encore reconfectionné d'autres amis. Et je dis que c'est un événement vraiment drastique et déplorable. Mais je suis à cœur joie que il y a de mes élèves aujourd'hui qui m'aident. Mais j'ai quand même aidé des professeurs. Ils sont à l'université aujourd'hui. Certains sont au lycée. Au collège, n'en parlons plus. Mais nous n'allons pas glaner notre valeur, etc., etc. Mais ce qui est sûr, et à savoir, il faut savoir déceler le mauvais grain au bon grain. Moi, je suis toujours à la disposition. Quiconque m'appelle, n'a qu'à m'appeler sur ce numéro, ou il n'a qu'à m'appeler sur le caméraman. Ils n'ont qu'à venir, on va s'aider. Il y a toujours de la place à la zone lagunaire, je demande toujours à Ben. C'est une place privilégiée et c'est une place de prédilection pour moi. Et je compte toujours aider les enfants dans ce panel parce que j'ai échoué dans le domaine commercial parce que j'ai monté ma propre société, Sikoma Gold Coast International, mais ça n'a pas marché. Il y a des produits, il y a des conteneurs qui viennent de New Jersey, en Amérique, un peu partout, mais ça n'a pas marché parce que c'est le commerce qui est plus maîtrisé, surtout pour la poulpeurie. Par les Igbos, quand tu ne fais pas attention, tu peux faire disparaître tout un continent. Et j'ai subi ce sort-là qui nous a frappé hein, de perte, des millions, etc. Mais il faut revenir à de meilleures santé. L'essentiel, c'est d'avoir la santé pour repenser. En tant qu'un homme de décideur, okay, je suis là, inamovible.
je crois, embrasser ce côté-là aussi pour aider les élèves, puisqu'ils sont en train de m'honorer, parce que la fois dernière, le sujet que j'ai traité avec un garçon de l'autre côté de la route, il m'a dit, ah, Alphonse, le sujet est sorti. Le sujet de Saint-Institut, si tu te diffères de moi, l'un de mes leçons, tu m'as dit. La différence positive. Donc, comme Bonap Kéteoli que j'avais suivi à la conférence nationale, à chacun sa pratique, à chacun sa tradition, c'est à toi-même, l'élève, de savoir traduire cela et introduire hein, de façon compétente, eh bien, l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Je crois que je me suis beaucoup époumonné. Je sais si vous avez d'autres questions. Je suis prêt à vous répondre. Juste, si quelqu'un voulait vous aider, par, à part le biais de cette vision média, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je vais te dire aujourd'hui que je dois l'accueillir à bras ouverts parce que il y a les documents qui sont là. Les documents de la sentence, ils sont là. Je ne peux que besoin des soutiens. Je n'ai plus rien, je suis comme un ver de terre et je sollicite cet être. Parce que les preuves sont là. La fois dernière, j'ai rencontré le président du tribunal, mais qui a à cœur avec mon dossier. Il suffit que mon avocat, Maître Boaka, me donne une attestation du jugement et c'est fini. Cela va être réglé. Et voilà, aujourd'hui, c'est une deuil. C'est un deuil qui nous a frappés tous. C'est la mort de Mandy Adolfo. Je suis son avocat très légitime. J'ai fait avec lui, c'est quelqu'un qui a une prodigabilité. Mais je crois que pour le moment, instant où je vous parle, c'est, ça doit être après son enterrement. Mais quand même, je vais essayer, à partir d'aujourd'hui, de contacter mon avocat, voir quelle doit être la situation aussi sidoine, à faire comme un morantois rapidement pour m'arranger et me mettre dans l'état de droit. Parce que tout est là. Tout est là. C'est de la justice, tout est là. Et, quand j'ai le président du tribunal derrière moi, il m'a dit il faut avoir une attestation. Vous voyez, nos notaires aussi, ils sont. Non, ils ont mis leur gueule. Alors, vous savez ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas une justice en tant que juste. Vous voyez, c'est des affidés, c'est des gens merci. Qui marchent, ce sont des bouffons. Merci. Ils marchaient sur nous, les pauvres. Parce que, c'est pourquoi le dossier traîne toujours. Parce que c'est la justice qui a choisi. Ok, merci monsieur. Merci.